Passez un bel été avec Wallonie-Bruxelles Tourisme. Aujourd'hui, notre escapade familiale nous emmène à Nivelles. Une occasion unique de découvrir sa collégiale, forte de sa nef impressionnante de 102 mètres. Ses deux chœurs opposés et sa crypte du 11e siècle, sans oublier ses vestiges archéologiques et ses divers trésors, la collégiale Sainte-Gertrude règne sur la grande place de Nivelles et arbore aujourd'hui encore ses lignes grandioses avec majesté. Monastère royal puis impérial après le couronnement de Charlemagne, cet édifice devint l'un des plus grands chapitres doubles d'Europe et appartient aujourd'hui au patrimoine exceptionnel de Wallonie. Une fois à l'intérieur, j'ai été impressionnée par ses dimensions et sa crypte romane, la plus grande de nos contrées, dont les origines remontent au XIe siècle. Sous la nef principale, le sous-sol aménagé nous a permis de découvrir les fondements des cinq églises successives édifiées du 7e siècle au 10e siècle. Quant au cloître, il offre une esquisse de ce que représentait l'ensemble abbatial dédié à Sainte Gertrude. Flanquée de deux chœurs opposés l'un à l'autre dans la tradition du roman rhénan, elle fut consacrée en 1046. Sous l'actuel chœur du XIe siècle, la crypte a accueilli durant des siècles les flux incessants de pèlerins en route pour Saint-Jacques de Compostelle. Dominant le tout, un clocher central abrite les cloches et le carillon, tandis que le célèbre Jacquemart Jean de Nivelles, Jean, frappe les heures et ses demi depuis 6 siècles au sommet de la tourelle sud. Je vous laisse, ma tartaljotte est sur le feu. Plus d'infos pour vos escapades sur belgique-tourisme.be.